crois que j'ai pas verrouillé les portes. Une sale pisse. Les portes de mon cœur. Une fois de moi. Je me suis verrouillé. Bon, là, on va se promener. Là, on va dire bonjour à tous. Dis bonjour. Bonsoir à tous. Ouais, c'est okay, Papa Ours, c'est Ramdelphi pour une nouvelle vidéo. Bizarre l'ambiance. Mais là, on va se promener. On va aller où? À la Madone. Ok, bizarre l'ambiance. Du coup, là, on se promène. Il fait nuit noire. Il est bizarre, il y a des lumières, du coup il fait un peu... C'est un peu éclairé. On censurera. On va censurer des mots tabous. Mais plus sérieusement, là on se promène, il fait beau temps, il y a de la neige qui tombe du ciel, et des larmes qui coulent de ses yeux. Bizarre. Mais bref. C'est une vidéo de vulgarisation scientifique, là. Oui, on vulgarise beaucoup de choses. Mais là, on aura tout à sang. Mais plus sérieusement, là on va retourner la caméra et on va filmer des choses plus utiles que inutiles. Je sais qu'il y a un nain en Turquie, il frappe des gens. T'es sûr que c'est un nain ou c'est une personne de petite taille? C'est une personne de petite taille. Oui, bah vulgarise pas les choses comme ça alors. Ah, parce que toi tu en dis oui, bah, t'es un gros porc. Ah. Non, dis t'es un ours. Ah, par contre, honnêtement, ça fait un peu bizarre d'être là la nuit. Ouais, t'as peur? J'ai pas peur, mais c'est eux qui devraient avoir peur. Regardez, on va s'arrêter là. Et derrière nous, regardez, Cécia. Vous avez vu ce qui a bougé? Non, mais il y avait un truc. Oh! T'as rien vu? J'ai rien vu. En post-prod, on verra peut-être quelque chose. C'est par contre, c'est pas la tour maudite, ça. Il y a son QC, ça se voit. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Arrête! Mais si! Rends pas ouf! Soit on va en bas de la tour, soit on esquive la tour. Y'a rien, y'a pas assez de lumière là. Vite. On esquive la tour ou pas? Non, on va en bas de la tour. Ok, je vous laisse filmer parce que je ne vois pas. Attends, c'est flou là. Y'a des trucs qui dérèglent la cam. Fais gaffe aux. Y'a des escaliers. Vous le saviez ça, monsieur? Non, ça c'est certainement, fou. Certainement, pas fou. Ça c'est encore une théorie fumeuse. Ah. T'as trop traîné sur Twitter, toi. Ah. D'ailleurs, mon Twitter c'est Rabdeljr. Ouais. Le lien est dans la description. Ici, je vous garantis qu'il y a eu des choses très très bizarres qui se sont passées ici. Comme, juste là. Comme quoi, donne des exemples, parce que c'est trop simple de dire ce genre de choses. Des choses super bizarres, filmez ici. Ici. Vous voyez? Il y a encore les marques du passé. Attention. Ne parlons pas de ces choses à voix orale. Là, c'est cadenassé. Oh! Ne vous inquiétez pas. Là, on ne voit pas d'ici, mais tout là-haut, il y a la Madone. Là-haut, ça, c'est la Madone. Et là, on voit que la Madone regarde ici, dans notre direction. De base, elle n'était pas dans cette direction-là. Au début, non. Elle regardait de l'autre côté. Ah putain, l'entrée de la tour, là, elle est là. Oh putain, il y a une porte qui nous sépare de ce qu'il y a à l'intérieur. Heureusement, parce que... Venez, monsieur, on retourne sur nos pas, on retourne le pas. Et on y retourne de l'autre côté. Parce que là, le cercle ne doit pas être brisé. Putain. Je commence un peu à transpirer. Vous voyez, il fait froid, mais il y a une chaleur immense qui vient apaiser mon cœur. Ah bon, ça se voit. C'est enregistré, on le voit à la vidéo. Attention, il y a encore des marches. Oh putain, je déteste ces trucs-là. Comment C'était pas là avant. Non, mais comment on a pu passer par là sans voir cette branche? C'était pas là avant. Putain, les marches, mais je déteste ces trucs, Pélo. En fait, tu fais ces pas là pour que tu puisses faire un peu de sport, comme ça. Putain, c'est vraiment le pire des chiens. On retourne sur nos pas pour refaire un nouveau choix, comme dans la vie que vous avez. Vous pouvez revenir en arrière et y améliorer votre présent. On reprend à la dernière sauvegarde. Soit nous allons dans cette direction-là, chemin que nous ne connaissons pas encore, ouais. Soit nous revenons par le chemin par lequel nous sommes arrivés. Je crois qu'on va... Non, on va aller... Par le chemin que nous n'avons pas exploré. Ok, allons-y. Il fait moins 3 degrés, mais pourtant un ressenti de 19 degrés. Je transpire. C'est dingue. Putain, le crépuscule de l'air humaine, là, c'est pas possible.
La ville, oh, la ville monstrueuse. Connaissez-vous cette personne assez connue? La haie. Je me sens en blase à ça. J'ai lu son prénom, je suis dyslexique. C'est Jean-Luc? Jean-Luc La Haye, oui. Ah, c'est Jean-Luc. Avec notre célébrité que nous avons invité aujourd'hui, Jean-Luc. Jean-Luc La Haye. Il a fait des bonnes choses de sa vie, Jean-Luc, ou pas? Il a pas touché des gamines. Ok. Oh putain. Wow. Oh, il y a un banc. Non. Ici aussi, il y a des choses bizarres qui sont passées sur ce banc. Mais ça, je vous le garantis. Garantie, c'est l'acheter. On peut continuer d'avancer. Je crois que ce que je vois là, ça me fait vraiment très très peur. Qu'est-ce que tu vois? La ville. Le monde moderne. Et un homme face à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a un truc bizarre qui vient de se passer. En fait, là, on a réussi à partir de là où on était depuis tout à l'heure, au niveau de la Madone. Mais du coup, on a l'impression qu'il y a vraiment des choses bizarres qui se passent à chaque fois derrière nous. Comme s'il y avait quelque chose qui se ponait, qui apparaissait et tout ça. Mais du coup, c'est vraiment bizarre. C'est quoi ça?